Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 205 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Alex Kidd in the Enchanted Castle. In the Enchanted Castle. Je sais pas comment ça peut se dire en anglais. J'ai un accent anglais toujours aussi énorme. Allez, Alex Kidd in the Enchanted Castle, appuyez sur Start Sega 89. Donc on est sur Mega Drive, vie laissée. Putain, vite ton chargement. Alors c'est un jeu qui est vraiment pourri. Vous allez vous en apercevoir vous-même. Alors voilà, on récupère de l'argent. Vous voyez, les dollars, c'est un U inversé, enfin un U barré plutôt. On rentre dans les maisons. La seule chose qu'on puisse faire, c'est bah moi sur un truc, on fait des mises en fait. À pierre, feuille, papier, ciseaux. Et c'est la seule chose que vous pouvez faire dans les maisons. Alors vous récupérez toujours de l'argent, 10 par pièce et 100 par petit sac, je crois. Voilà. Vous pouvez donc détruire les voitures qui sont vos ennemis dans ce niveau. Les avions aussi sont vos ennemis, les petits avions, les petits jouets. Alors c'est vraiment pour les enfants, même si c'est totalement impossible à jouer. Vous avez 2 vies, le moindre coup vous tue. Donc voilà, je sais pas si ça peut vous aider à vous imaginer le bordel que c'est. Sachant que quand vous perdez, vous recommencez. Voilà, vous avez peut-être quelques continues, je sais même plus. On va voir ça après, si de toute façon je vais mourir, hein. Je n'arriverai pas à aller très loin dans ce jeu, tellement il est dur. Comment? Voilà, vous avez vu, je suis arrivé à la détruire en sautant dessus, en mettant un coup de pied, ou je sais pas tellement qu'est-ce qu'il a tué. Par contre, les avions, là, je peux pas les... Je peux pas sauter dessus directement, faut que j'essaye de mettre un coup de pied. Et le pied reste tendu un peu quand il veut. Disons que c'est spécial. Donc là, j'ai des coffres en haut. Hop, je récupère de l'argent, c'est bien. Bon, c'est pas grave. Je serais bien à les récupérer. Hop. J'essaye d'éviter les ennemis, justement, parce que bon, c'est... Comme vous avez une chance sur deux d'arriver à le tuer sans qu'il vous fasse mal, alors là, c'est la fin du niveau. Voilà. Donc la petite le truc, le glaçon là qui ressemble avec un igloo avec une porte, en fait c'est le niveau. Vous avez des portes dans les forêts. Donc là on vient de passer au deuxième niveau, il y a des marmottes qui sortent de terre. Des marmottes ou des taupes. Ça ressemble plutôt à des marmottes. Même s'ils ont le profil du topiqueur parfait. Voilà. On a croisé aussi des petites araignées avec des boules là. Avec des boules de je sais pas quoi. Vous avez les hérissons, il faut surtout pas sauter sur leur dos parce que sinon ils font mal. Hop. Alors là, je peux taper aussi dans les boules bleues. Si le décor me gêne, les boules bleues, je peux les détruire. Pas les boules rouges. Alors je vais essayer de monter là-haut. Chercher le coffre. Hop. Hop. Non, j'y suis pas arrivé. Allez. Je voudrais essayer de récupérer le coffre en haut. Même si il doit y avoir... comme par hasard des pièces dedans. Parce qu'il n'y aura pas grand chose de plus à l'intérieur. Allez. Je vais pas y arriver. C'est totalement infernal. Il me reste plus qu'une vie, hein. Si je meurs, j'ai fini. Terminé. Non mais j'y arriverai pas. C'est pas la peine. Allez, on va passer par au-dessus lui. Hop. Hop, je vais essayer de finir ce niveau. Je sais même plus si je suis déjà arrivé à le finir. Je me souviens plus. Non, il s'est arrêté. Ah, le traître, voilà. 0. Donc il me reste 0 vie. Voilà. Ah, j'ai pas recommencé au début, c'est déjà bien. Par contre, allez. Voilà, on va passer par en dessous. Ça tient magiquement dans l'air, de toute façon, pas de problème. Là, c'est une mauvaise idée de passer par en dessous parce que les rouges, on pourra pas les enlever. Alors, faut que je fasse attention à mon hérisson qui m'a tué. Il y en a deux maintenant. C'est sérieux ça? Ouais, on avance, vite. Allez, on va essayer de passer au-dessus. Voilà. On arrive à avancer, il y a un autre coffre là-haut. Hop. Hop. Ah, j'aurais peut-être pas dû détruire ceux d'en bas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas à ça après. Oh là là. Je tombe dessus, game over, ça y est, j'ai plus de vie, c'est terminé. On peut recommencer le niveau. On peut recommencer le jeu. Le jeu complet, voilà. Vous recommencez tout. Il n'y a pas de continue. Voilà, c'est un jeu que vous avez très vite fini. Alors, vie laissée, on va se la refaire, tiens, allez. On va refaire rapidement la vie laissée, on va réessayer. Même pas sûr que j'arrive à la retraverser. Allez.
Hop, hop. Maintenant on connaît le chemin, on s'en fout. Tout le reste, on s'en fout. Les pièces, tout ça, rien à foutre. Voilà, fin du niveau. Le premier niveau, en fait, il est très rapide, hein, si vous attardez pas sur les choses que vous croisez. Hop. Oh non, regardez-moi cette araignée qui recule, qui a reculé avec une boule de terre. Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh, je viens de la tuer. Je viens de tuer la taupe là. Magnifique. Oh non, deuxième. Vous avez vu, je la touche à... même pas. Ils ont une hitbox qui fait un mètre à côté d'eux. Je les touche même pas, les trucs qui me tuent. Voilà, il me reste déjà plus qu'une vie, donc si je me fais encore toucher une seule fois, je recommence le jeu redémarre, c'est gars et tout ce que vous voulez. Hop. Hop. J'ai pas vu de password, j'ai pas vu de système de password, donc en fait c'est un jeu que vous recommencez infiniment. Hop. Hop, 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 hop. Allez, on va essayer de passer par là-dessus. Il y a deux oiseaux maintenant. Hop là, hop là. Bon, voilà, on avance, on avance. Ah, c'est sérieux ça? C'est sérieux? Elle était dans le fourré. Je pouvais pas la voir arriver. Bon bah c'est pas grave, on va s'arrêter là, donc ce sera tout pour Alex Kidd in the Uncharted Castle. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.